la population du Burkina Faso exige le départ de l'armée française dans leur pays. Elle est accusée de soutenir les groupes terroristes dans la sous-région. Dans la foulée, la société civile exige à son tour des comptes à l'actuel président de la République du Burkina Faso, Marc-Christian Kabore. L'image de la France a fortement été dégradée sur l'ensemble du continent africain. Son passé colonial et ses velléités néocolonialistes ne passent plus auprès de la jeunesse africaine qui aspire à un changement de paradigme entre les autorités des pays africains et l'Élysée. Le racisme de la France à l'égard de l'homme noir est aussi décrié au sein de cette même jeunesse. La présence militaire de la France sur le continent devient étouffante, couplée de la dictature monétaire du franc CFA. La véritable question qui s'oppose est la suivante. Pourquoi c'est à la France de jouer aux gendarmes contre le terrorisme dans les pays africains? L'Élysée peut-elle accepter une telle initiative de la part de la Chine ou de la Russie en France? Il faudrait être correct pour dire que l'apport de l'armée française en Afrique est d'aucune utilité. Les pays africains ont besoin juste des armes pour faire face à l'instrumentalisation du terrorisme géostratégique par des puissances étrangères sur le continent. Macron devrait prendre toutes les dispositions pour réinventer la diplomatie française et prendre des décisions courageuses pour mettre un terme à l'ingérence de la France dans les affaires internes des pays africains, au risque un jour d'assister à une rupture brutale et sanglante. Si l'Afrique est considérée comme un continent débarrassé du colonialisme et de l'impérialisme occidental, les filles et fils de ce continent doivent prendre des armes pour défendre leur terre. Nous vous invitons à écouter scrupuleusement ce que ce jeune Burkinabé pense de la présence de l'armée française dans leur pays. Bonsoir ici, bonsoir. Et voilà, voici la manifestation continue toujours. Voilà la manifestation contre, pour exiger le départ d'Europe et le départ de l'armée française. Et ici, et voilà, il y a une barrière qui a été érigée. Voilà. Ouais, cette population, c'est un convoi de l'armée française qui a été aperçu à 15 km de Bobo-Dioulasso, qui ont démarré et nous payons au grain pour que cela n'ait pas lieu.